Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire une histoire qui s'appelle L'école de papa. Ce matin, Minouche est en retard pour l'école. Juste le temps d'attraper son cartable, une pomme, et il file dehors où papa chat l'attend. C'est parti! Aïe, les rues sont bloquées par un gigantesque embouteillage. On va finir à pied, décide Papa Chat. Minouche connaît un raccourci par les toits, mais son père a bien du mal à le suivre. Au-dessous, c'est le vide. Minouche n'hésite pas et saute de l'autre côté. Mais Papa Chat n'est pas très à l'aise. Continue tout seul, Minouche, tu vas être en retard. Oh, papa, tu peux le faire. J'aime bien quand tu m'accompagnes à l'école. Moi aussi, j'aime bien, répond Papa Chat. Papa Chat prend de l'élan. Et d'un magnifique bond, se retrouve aux côtés de son fils. Bravo! Arrivé au pied de l'immeuble, il s'élance au pas de course vers l'école. Mais la porte est fermée. Papa, regarde, il n'y a personne. Mais on est samedi et il n'y a pas école aujourd'hui. Oh, ça veut dire que je ne dois pas aller travailler non plus. Viens, allons récupérer mon scooter, dit Papa Chat. Et on file voir la mer. À peine arrivés, Papa Chat et Minouche font la course sur la plage. Attrapez, lance Papa Chat. Bagarre, riposte Minouche. Ces pierres plates sont parfaites pour faire des ricochets. 7, annonce Papa tout fier. Moi pareil, répond Minouche. Et maintenant, une glace. Minouche choisit son parfum préféré, menthe avec des copeaux de chocolat. Moi pareil, dit Papa Chat. Papa, tu m'emmènes à l'école demain? Minouche, demain, c'est dimanche. Je sais, dit Minouche. Et voilà, c'est fini pour l'histoire de l'école de papa. Je vous souhaite une bonne journée, je pense fort à vous et je vous dis à très vite. Au revoir!